Bonjour, je m'appelle Victoria Horry, j'ai 35 ans. J'ai rejoint le groupe d'Emeco il y a maintenant 5 ans et je suis développeur et chargé de projet. Je me suis d'abord dirigé vers du droit. Rapidement, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout. J'ai enchaîné ensuite les petits boulots. Et puis suite à une reconversion professionnelle, je me suis allé vers le développement. Je pense avoir trouvé ma voie et depuis, j'ai aucun regret. Ma mission principale est de comprendre les attentes des utilisateurs. De manière générale, on a trop tendance à s'adapter aux outils et à mon sens, c'est plutôt l'outil qui doit s'adapter à nos attentes. De plus, ma seconde mission est d'orchestrer la bonne conduite d'un projet. Ça permet de se confronter au quotidien et aux réalités de chaque métier. Les qualités essentielles pour ce métier sont la curiosité, l'empathie, le sens logique. Il faut également être débrouillard et ne pas hésiter à aller discuter avec les uns et les autres. Dans un contexte où les technologies évoluent très rapidement, il faut toujours se tenir informé des évolutions de notre métier. Ce qui me passionne, par exemple, dans le cas d'un site internet, c'est de voir qu'un projet, en partant d'un simple concept, d'une simple idée, se retrouve directement sur la toile et est utilisé par de nombreux clients. En dehors du travail, ce qui me passionne, c'est la cuisine, le graphisme, les jeux vidéo, le sport et le yoga. J'ai loupé ma sortie.